par le simple fait que les poulets vont voir la lumière du jour pour la première fois de leur vie. Ce sera aussi la dernière. L'éleveur a accepté de nous montrer comment se fait l'enlèvement de ces volailles. On appelle ça un ramassage. Pour charger 40 000 poulets, il faut de gros moyens. C'est à peine imaginable. Pour augmenter la productivité, les industriels ont mis au point cette imposante machine. Une sorte de moissonneuse-batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses, dans lesquelles ils sont jetés. Avec une cadence de 10 000 poulets ramassés à l'heure, les volatiles ne sont pas ménagés. Dans l'opération, leurs pattes ou leurs ailes peuvent parfois être cassées. La méthode est expéditive, le spectacle difficilement soutenable. Vous en mettez combien par gazette là? 30. 30? Oui, 30, oui. Au fur et à mesure que le hangar se vide, une autre réalité de ce type d'élevage apparaît. Au sol, il reste encore de nombreux poulets. Certains ne peuvent plus bouger, ils sont trop gros. Et leurs pattes, pas assez musclées et parfois cassées, n'arrivent plus à les porter. Plus inquiétant pour nous, consommateurs, certaines bêtes semblent malades. D'autres sont mortes, victimes d'infections causées par toutes sortes de bactéries. Elles prolifèrent dans la plupart de ces élevages industriels, car ces poulets grandissent au milieu de leurs déjections. Et comme si ça ne suffisait pas, ces élevages sont aussi parasités par ces insectes. Ces milliers de petites bêtes, porteuses de bactéries, sont ensuite picorées par les poulets, qui se retrouvent infectés. Toutes les bestioles là qu'on voit. Attends, il faut pas en parler, c'est les ténébrions. C'est quoi, pardon? Les ténébrions. Cette exploitation est loin d'être un cas isolé. Et la situation sanitaire désastreuse qui règne dans la plupart de ces élevages n'est pas sans conséquence pour nous, consommateurs.